Salut à vous les girls, les Wonder Woman, les femmes divorcées, dépaxées, rupturées. Bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Comment éviter de penser que seul ton ex est encore l'homme de ta vie. Je suis Florence Cohen, moi-même divorcée depuis 9 ans, dépaxée depuis 4 ans. Je suis sophrologue, psychanalyste et expérimentatrice de vie. Donc, comment éviter de penser que seul ton ex est encore l'homme de ta vie T'es bien OK avec moi que c'est ce que toutes les femmes cherchent, une belle histoire après une rupture amoureuse. Un Apollon qui, toi seul, sais à quoi il ressemble, un homme qui t'épaule, un homme avec le smile, un homme qui prendrait ton visage entre les mains et qui t'embrasserait chaleureusement, un homme qui t'épaulerait est-ce que tu aimerais bien être comme alma cluny ou la femme du prince harry qui sont aimées par euh, leur homme comme des déesses hein on va vraiment appeler ces couples là et eh bien des couples où on a l'impression que seul l'amour existe mais on est bien d'accord que la réalité est tout autre surtout mais alors surtout en matière d'amour les femmes ne savent pas par où commencer quand une histoire d'amour se termine. Elles cherchent des pistes sur Internet, s'inscrivent sur les réseaux de rencontres et peuvent même se remettre en couple très peu de temps après leur rupture. Mais on ne va pas se le cacher, pensant toujours à leur ex. Pour être honnête avec toi, j'ai vécu à peu près toutes ces situations. C'est-à-dire que je m'étais imaginé un homme comme ceci, comme cela, que je n'ai. Toujours pas trouvé. Euh, je ne savais pas euh, par où commencer parce qu'en plus de ma rupture, eh bien, j'avais les premiers signes de la préménopause. Les enfants aussi, dont ben, les relations étaient pas franchement euh, bonnes. Elles étaient même euh, compliquées. Bref, je ne savais, mais vraiment pas, vraiment pas du tout par où. Commencer. Et puis j'ai même une connaissance qui malheureusement, parce que j'aime bien dire malheureusement, s'est remise en couple avec son ex parce que euh, elle ne savait pas euh, vers qui aller, comment faire, comment être. Alors j'ai envie de te dire en passant, déjà peut-être la première action que tu devrais faire pour toi, c'est d'aller sur les trois w www.florence-cohen.fr et de rentrer ton prénom, ton nom, ton mail, pour recevoir en plus de ce podcast les étapes qui vont t'aider à traverser ces ressentis difficiles, mais aussi profiter du cadeau bonus et des trois clés qui vont t'éviter de rester dans la confusion sordide. Et si j'étais encore avec mon ex Comment éviter de penser que seul ton ex est encore l'homme de ta vie eh bien, j'ai envie de dire, tu as quelques ressources en toi. Tu as des choses que tu peux exploiter. Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes boire un bon thé es chaud? Est-ce que tu aimes aller te balader? Eh bien, prends une de ces trois situations. Là, tout de suite, maintenant. Pas dans cinq minutes, pas dans une heure, pas dans trois jours. Là, offre-toi un temps pour toi. Va te faire le thé du goût qui te plaît. Et puis, prends, tu sais, quand on a un peu frais, on est en hiver, la tasse entre tes mains et profite de la tiédeur de l'instant pour te ressourcer. Tu aimes un bon livre? Prends-en un et commence à lire peut-être quelques pages qui vont te faire t'évader dans une autre réalité. Fais-le. Fais-le vraiment. Parce que ce qui va te permettre de changer cette situation c'est ton passage à l'acte dans toutes les actions. Donc, fais-le, aimez-moi. Tu me mettras dans les commentaires ce que tu as décidé de faire pour toi. Tu peux aussi, bien sûr, aller t'acheter un bouquet de fleurs. Tu peux aller te promener en étant bien habillé, bien maquillé. Passe à l'action là, maintenant. Ensuite, eh bien, j'ai envie de te demander euh, si en passant, tu te reconnais dans cette situation. Tu as aimé ce que je viens de te partager, euh, et puis ben surtout si tu connais une femme, une amie, une copine, une collègue de travail qui rencontre la même difficulté, c'est-à-dire que lorsque vous échangez entre vous, elle te parle de son ex, elle a des remords, elle a du vague à l'âme, elle ressent de la tristesse. elle manque donc de tu vois de peut-être de confiance pour passer à l'étape d'après. Eh bien, si tu connais ne serait-ce qu'une personne pour qui c'est pas facile, justement, de passer euh, à la suite de sa vie après sa rupture amoureuse et que tu penses que cette, ce live peut l'aider, eh bien, toi, sache que tu peux aider à ton tour cette personne. sans toi à l'aise d'être celle qui va lui apporter de la valeur simplement en partageant cette vidéo-là que tu viens d'écouter ou peut-être en la taguant dans les commentaires pour qu'elle puisse participer et écouter. Tu lui rendras, je suis sûre, ce service avec bienveillance, humilité, parce que se séparer et passer à autre chose après une rupture amoureuse, eh bien, pourquoi pas devenir nous-mêmes, à un moment donné, des alma clownés aimés par la vie, tout simplement. Je te souhaite une sublime journée. Et je te retrouve très vite lors d'un prochain podcast.